Et plop les gens, de retour dans Cartel Tycoon. Je viens de revérifier un petit peu ce qui se passait. Et ce que j'ai vu, c'est que nos trois ports sont blindés en légumes. Donc on va avoir du mal à exporter des légumes supplémentaires. Ce que j'ai vu, enfin avec les ports en tout cas. Ce que j'ai vu aussi, c'est... déjà ce bâtiment est fini, donc on va pouvoir regarder ce qui se passe. Tac. Donc les trois, ils sont pleins de légumes à l'opium. Ce qui fait que cette production de celle qui transporte des légumes là, ça va moyennement le faire en fait. Ça va un peu remplir les entrepôts et ça va galérer à exporter. Donc il va te falloir qu'on atteigne un checkpoint, je pense. Qu'on essaye de vendre par le checkpoint, mais pour ça, donc celui-ci, ça serait faisable. On n'aurait pas besoin de récupérer la ville, puisqu'elle est contrôlée par le gouvernement. Celui-ci, la route passe par une ville contrôlée par un gang ennemi, donc ils vont jamais nous laisser faire. On pourrait prendre plus d'aéroports aussi, ou en construire nous-mêmes. Aérodrome. Voilà, là il y a une nouvelle icône dans la mise à jour qui nous dit quand nos lieutenants piquent dans les réserves. En vrai, tant que l'avion décolle à max, pique les réserves plutôt que les sous, ça me dérange pas. Même si ça fait moins de bénéfices. Du coup on n'a pas vu de frontière en bas, donc ouais, il y a les deux frontières du nord qui peuvent être intéressantes. Commencer par celle-ci. Il y a cet aéroport plutôt qu'aérodrome, peut-être, je sais pas s'il fonctionne vu que c'est marqué prochainement. Si ça se trouve c'est comme celui-ci qui est noté guérilla prochainement et qu'on ne peut pas utiliser. Mais sinon on va devoir faire des aérodromes pour extrader de la cargaison facilement, ou récupérer celui-ci aussi. On pourrait là où j'en étais, du coup on va remettre en play. Donc oui, attaquer celui-ci paraît une bonne idée. Voir d'autres lieutenants, garder le contrôle. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et oui, et cet entrepôt de légumes qui envoie juste à cet atelier là, ça va pas le faire. Autant qu'il envoie aux autres ateliers ici pour aider son entrepôt compagnon. Non, lui il va être plein, alors que ceux-là vont galérer, et celui-là il va pas avoir assez de véhicules, de camions pour faire les trajets. Ce que ça nous indique surtout, c'est qu'on a trop de légumes. Ou en tout cas qu'on cache trop d'opium dans les légumes et du coup ça remplit les stocks. Parce que là... 55 légumes... Ah il envoie d'abord les... Non zut. La DEA qui nous embête. Il envoie d'abord les légumes remplis de cannabis. C'est un peu dommage parce que là c'est les légumes remplis d'opium qui nous... remplis. C'est aussi le fait qu'il y ait trois ressources. Hein. Je devrais peut-être me limiter à seulement deux. Oula. Alors où est-ce qu'il va? Il parcourt toute la carte. Et j'ai peur qu'il veuille tuer notre capot. Pendant que cet entrepôt galère, alors il est relié à un atelier. Et c'est tout. Deux plantations, un atelier. Donc l'atelier, s'il a de quoi, c'est bon. Et surtout, bon, c'est pas ça qui a l'air de gêner, c'est plus la réserve de cannabis. Séché, oui. Donc c'est pas le fait qu'il n'y ait qu'un seul séchoir. Donc on va te lier aux autres ateliers du coin. Hein. Voilà, tout simplement. On va y envoyer
notre chef. On va te demander à toi aussi d'aller dans le secteur. Est-ce qu'on peut te donner une petite augmente? Voilà, pour être sûr que tu ne deviennes pas farouche. Ego. Je me demande s'il faut pas qu'on fasse un peu plus d'assassinats de nos lieutenants qui deviennent un peu méchants. Là, on va remplir nos... On va se remplir d'argent sale, ça ira bien. Toi, il y a ces deux entrepôts, t'es rempli à ras-bord. Toi, tu galères aussi. Lui, il va mieux. Il fait toujours son trajet pour aller à la résidence. Potentiellement pour nous l'attaquer, pour la détruire ou je ne sais quoi. J'ai envoyé mes soldats au cas où. Oui, non. Le truc que j'étais en train d'oublier. Là. Putain, lieutenant. Oh, le petit gamin. Il a une tête de gamin. À faire, mais pour la mettre, on n'en a pas besoin. Il débloque le dépôt, cultivateur de cannabis. Ouais, pourquoi pas. Hein. Manolo Velasco, alias Toque. Biographie. Si vous entendez une douce mélodie se mêler au chant des cigales, c'est probablement Manolo. Il est partout à l'aise et son caractère chaleureux inspire la confiance. Hop, et toi, tu vas aller ici. Pendant que je me rends compte que mon chat est à l'autre bout du monde, donc je ne le verrai pas si quelqu'un passe. Donc voilà, petit moment sans musique, juste le temps que je réorganise le tableau de bord Twitch. Ah, pendant qu'il y a un événement, voilà, moi j'ai réorganisé, c'est bon. Une petite augmente. Il est où, je crois, lui il habite ici. Voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Échec de l'assassinat, ah oui. J'ai bien fait de virer mon capot d'ici, hein. Oui, vendre du cannabis, vendre de l'opium, oui, oui. Très bien. Toi t'es moyen, toi t'es lent. Attendez. Si je passe par la mini carte, parce que là je veux vraiment aller à l'autre bout du monde. Allez, ici. 3-3, bah c'est parfait. Et maintenant faut réussir à récupérer lui. Allez, ici. Voilà. Et toi, tu es un cultivateur de cannabis, c'est ça? Donc tu améliores la prod de cannabis, mais c'est clairement pas ce qu'on veut. Je pense. Si je te mets là, tu vas améliorer la prod de cannabis, mais... Les ateliers n'en peuvent plus, les dépôts n'en peuvent plus non plus. Non, 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 non. Tu vas te casser dans la ville là au milieu. Je veux pas que tu améliores notre prod.
On produit déjà trop. Je suis plutôt à limite. À limite bloquer un peu le. Atelier 2, atelier 2, on pourrait en faire des ateliers 3. Mais je suis limite à bloquer un peu la production de. Le cannabis, là, couper une plantation et qu'elle est vidée. Juste pour que les dépôts soufflent un peu. Là, les dépôts, ils sont blindés de cannabis séché à peu près. Hein. Résidence niveau 3, toi, instantanément, hein. Toi, t'as besoin de beaucoup plus de ressources. Est-ce que t'as des sous? T'as pas de sous par contre. Donc toi, tu vas devoir livrer un peu de sous à la résidence. Si que se passe-t-il? Oui, c'est notre attaque, donc tout va bien. Ah oui, non, mais si toi tu pars avec l'argent et tu ne t'en prends pas ta part, ça va pas le faire. Donc là, la résidence, elle a de quoi tenir un peu plus d'argent. Ici, il y a trop de cannabis séché. Ici, pareil. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait redonner un peu d'argent aux églises et demander à un maire, potentiellement le plus loin, celui-ci, la petite faveur de... on est idolâtré, mais on est aussi craint. Ah, sauvegarde pendant le dialogue, super. Même les dialogues soient bloqués pour la sauvegarde. Un tel sacrifice en vaut la peine. Clairement, et j'ai même envie de dire plutôt deux ou trois fois qu'une. Hein. Réduire le niveau de terreur. Oui. On est passé d'idolâtrie au respect, à l'acceptation. La terreur est passée de là à là seulement. Le capot s'accroche au combiné d'un vieux téléphone à cadran. La voix à l'autre bout est excitée. Un lieutenant se tient en retrait, écoutant la conversation. Mince. Unité se présente, c'est fini, oui. Non, tout le plaisir est pour moi, gracias. La voix du capot suinte l'arrogance. Ce n'est qu'une partie de ce que nous pouvons... Ce n'est qu'une partie de ce que vous pouvez attendre de nous. Vous ne le regretterez pas, seigneur. Adios. Il replace calmement le récepteur sur le téléphone. Allume une cigarette et inspire profondément. Il souffle la fumée dans l'air calme et la regarde se dissiper. Le lieutenant sourit. Il n'y a rien de tel que le plaisir d'ouvrir une serrure, hein? Une décharge électrique comme celle que l'on ressent dans ses os. Nous connaissons un allié très généreux. Ce sera certainement une affaire très profitable pour nous. J'espère que c'est le genre d'accord qui nous permettra d'éviter d'avoir à essayer toutes les portes, les clés et les serrures. Parfois, j'ai l'impression de diriger un club de poésie au lieu d'un cartel. Le lieutenant sort en s'esclaffant. Le capot se détend jusqu'à ce que le téléphone se remette à sonner. Au lieu de répondre, il se penche, arrache le fil et savoure enfin le silence. Très bien.
Une opportunité niveau 3 se présente, terminée. Capturer le checkpoint. Quête de vente de cannabis terminée. Toi, tu vas arrêter tes livraisons pour arrêter de t'énerver, de pas avoir tes sous. Plus là, la résidence est à moitié remplie. Et elle n'a pas l'air d'avoir besoin de plus. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? On a beaucoup trop de légumes pour les deux. Hein, on va stopper une plantation. Hein. Et ici, on va ouvrir. Oh, yo. Ah, il y a peut-être pas beaucoup d'opium qui lui arrive à elle. Pas assez en tout cas. En même temps, ici, il n'en produit pas énormément. Ah. Toi, au lieu de viser l'aérodrome. Viser cet atelier là. Toi tu vises les deux fermes un peu loin. Est-ce que tu as accès aux trois ateliers? Toi tu visais l'aérodrome. Aussi viser cet atelier plutôt. Ça sera moins loin. Qu'elle vole, c'est pas trop gênant, mais faut quand même que l'avion ramène des sous, quoi. Sinon, ça risque de bloquer. Ici, il y a trop d'argent, très bien. Par contre, pourquoi tu envoies pas à la compagnie de taxi au parc d'attractions? Je ne sais pas trop. Hein. Tu pourrais en donner un peu plus à l'un ou à l'autre. Compagnie de taxi, parc d'attractions, oui, c'est bon ça. Les deux peuvent stocker un peu plus d'argent, même si... Alors, ce qu'on voulait aussi dire, c'est que toi, tes légumes, au lieu de les envoyer... Alors, c'est quel port? Cela, ok. Celui-là, au lieu de l'envoyer là... Tu vas envoyer tes légumes... supplémentaire à la frontière là-bas. Ici on a des légumes aussi je suppose. Après c'est des légumes et du cannabis, hein. Peut-être un petit peu différent. Donc lui pareil, au lieu de viser ce port-ci, tu vas viser... Attends. Tu vas viser là-haut. Et toi on va t'ouvrir. Et j'ai atteint le million en argent sale. L'église, est-ce qu'elle a besoin d'argent? Pas du tout. Toi, tu ne débordes plus, c'est parfait.
Ici, il n'y a plus d'argent. Oh. C'est juste que lui, des fois, il est débordé, des fois, il a pas. Des fois, il a pas assez de. Fonctionne un peu trop par à coup, quand même. Alors, ici, les stocks sont toujours très, 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 très hauts. Un peu trop haut. Ici, est-ce que l'entrepôt... L'entrepôt n'a pas de légumes en rab. Donc là, cet entrepôt, il va bien. En plus, ici, il y a plein de légumes. Donc normalement... Ouais, c'est parce qu'il y a des manques d'opium, quand même. Et quand même quelques manques d'opium. Donc on va... Je ne sais pas... Tu vas rester avec de l'argent propre pour le moment. Au lieu de me voler tout l'opium qui passe. Ah mais toi tu peux pas faire des livraisons. T'es peut-être pas le meilleur pour faire les livraisons mais... Toi va falloir que tu y ailles. Non mais une enquête ici ça ne nous intéresse pas, on veut pas... Il ne se passe rien, on aide les enquêteurs, il ne se passe rien, ne vous en faites pas. Fer à fer, cocaïne, j'ai pas. Donc oui. Oui, ici je voulais voir, alors achat brut. Qui nous permettrait du coup d'avoir... Les produits bruts comme un village. Département de matières chimiques, donc c'est les matières brutes pour la mette, je crois, ou pour les deux autres ressources, je sais plus. Et biens de consommation qui nous permettraient d'avoir des télévisions, des consoles, bref, des trucs différents pour varier un petit peu nos exports. Faire de l'import-export. C'est surtout ça qui m'intéressait. Toi, tu vas faire les livraisons à la banque. Toi, tu vas arrêter les livraisons. Hop, là, ça va retourner à... À combien? 23 000. Ok, ici 1. Ah oui, par contre là ça exporte plutôt vite, des petites quantités mais très vite, contrairement aux 4 jours de des ports ou aux 2 jours des aérodromes. C'est checkpoint, c'est les endroits où c'est pas si grave, j'ai l'impression d'avoir différentes choses. Alors là, j'ai juste voir si dans la ville, si on traverse les légumes, ils nous les piquent, ça serait un peu dommage. Ça n'a pas l'air. J'ai vu le camion arriver avec un seul, donc j'ai eu un peu peur, mais ça va. Et ben voilà. Toi tu reprends ça et tu retournes en ville pendant que toi tu vas aller ici, que mon capot il va pouvoir retourner. Est-ce que ça aurait besoin? Ah, on n'a pas vendu assez d'opium. Où est-ce que ça aurait besoin de véhicules?
ici. Le chef soldat. Il manque trop. Pouvoir revenir dans ce port ici, tout va bien. Le bateau peut arriver. Toi, tu vas te prendre les sous dans le port. Et ça sera bien. Aïe, aïe, les ateliers débordent. J'améliore cet atelier. Qu'est-ce que ça fait? Camion, taille, destination supplémentaire. Ouais, mais... ça ne fait pas la... Avoir plus de camions, plus de stock, bon plus de stock oui mais non, ça ne sert pas à grand chose, plus de stock faut aller plus vite. On va tester quand même juste sur lui. Juste sur lui. Si, alors on fait un de café, 5 de cannabis séché en 4 heures, ça reste ça. Ça reste, ah non en 1 heure, oh en 1 heure au lieu de 4 heures, ah oui. Ah bah non, mais faut améliorer. Il faut améliorer, effectivement. Toi, tu vas pouvoir aller, par exemple... ici. Pendant que les deux autres... hop. Pouvoir aller au port là. Alors comment on fait pour voir le l'atelier? On a eu un, c'était pas le bon. Atelier, ah. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un gang ennemi a été repéré à proximité, oui. Pas cool. Pendant que je vois que le port là-haut... Ah! C'est pour ça. El Monstro. Et il va falloir que tu ailles là. Et toi, que tu arrêtes les livraisons. Parfait, en plus la banque est blindée. La banque déborde donc. Hop, toi tu prends de l'argent propre donc c'est bien. Ah ah ah, 12 000. Cette galère de gérer les choses à la main fait disparaître de l'argent. Oui, Tony, tu as besoin de ton argent. Tu vas l'avoir au port. Là on voit l'ennemi et effectivement le port augmente assez vite en gain. Il augmente assez vite vu que maintenant on sait qu'on gagne 12 à 6, on a deux fois plus d'armée. Donc ça va faire que la terreur restera moins haute. Hop, et on se remet en marche.
quoi? Ah, on peut avoir le dépôt qui emmène directement aux différents ateliers. Alors que là, on pourra pas avoir de logistique si on va au village. Faut acheter et après faut avoir un lieutenant qui fait l'aller-retour tout simplement. Et genre revenir jusqu'ici. Toi là, est-ce que t'as pas de stock? Café, il y en a un peu. Toi, tu vas pouvoir revenir plus au centre. C'était parfait comme endroit. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de recherche. Mais j'ai un peu peur d'avoir encore l'assassin qui me dit toi t'as dépensé beaucoup d'argent. C'est bon vieux. Regarde le nombre de fermes que je possède, regarde le nombre d'attractions en ville que je possède. Évidemment que j'ai de l'argent à dépenser pour améliorer ce que j'ai. Alors là t'es à 300, là t'es à 300. Là t'es déjà à 112. Même avec une seule plantation, ils n'y arrivaient pas tous les deux. Bon, après, ils ont un peu de trajet à faire pour aller jusqu'aux différents ateliers. C'est vrai. Wow, wow, wow. Mamie, tu vas pas faire des bêtises, hein. Ce qui me fait dire d'ailleurs. Là, comment ça se passe? Là, j'ai rien. J'ai rien. Ici, ils arrivent largement à dépenser tout le cannabis, même plus encore que ce qui. Il pourrait avoir un peu plus de. Alors là. Pourrait transformer ces deux-là en plantation sans souci. Et si je fais une ferme pour du cannabis, ah, il y en a là-haut. Je vais en faire une plantation là-haut. Ou alors juste en bas. Non, plutôt en haut, comme ça il y a des chances que ce soit dans la portée. Enfin oui, comme ça c'est dans la portée de l'hôtel. On va faire que un à la fois. J'avais pas vu, mais là il y a le petit grillage en mode interdit de construire dessus. Punaise, ici il y a trop d'argent. On déborde d'argent dans le port. Et ici on a beaucoup d'argent. Ici on a beaucoup d'argent. Un peu d'argent en ville. Là on a 13 000, on a... Bon, le centre de recherche, je ne sais pas. On a 14 000, ouais.
Toi, tu n'arrives pas à dépendre. À envoyer tes stocks. T'envoies aux différents ports, mais les ports, évidemment, fonctionnent pas. Alors, au lieu d'envoyer à celui-là, tu vas essayer d'envoyer là-bas. La police a été repérée en plus. Très pas bien, très pas bien. On est d'accord que c'est pas les dépôts que j'avais envoyés à... Non, c'est pas les dépôts que j'avais envoyés à la frontière. Tony. Il va falloir que tu ailles ici. Notre chef aussi. Arrêtons les livraisons. L'affrontement a commencé à l'atelier. La police qui avait beaucoup de force était en train de prendre l'atelier. Mais notre capot est arrivé pour sauver la baraque. En attendant que Tony et le monstre arrivent et défoncent tout. Ok, défonce tout, il a pas masse de... On n'est pas à deux fois plus hein, comme la dernière fois. Toi tu vas pouvoir aller aider aussi. Oui bah oui. Et je te dis d'y aller. Si je te dis d'y aller, c'est que faut que t'ailles aider tes potes, hein. Ton lieu de tes lieutenants, c'était supérieur. Alors, en fait, là, ce qu'on est en déj, c'est que il y a trois types de ressources. Et ils prennent pas forcément les bons légumes. Ils prennent les légumes avec le cannabis. Ici, il peut y avoir trois emplacements avec trois... Ouais. Il n'y a pas d'animation là. On voit pas un camion partir et revenir. Ok. Donc en fait, pour moi, ce qui nous embête le plus, c'est les légumes avec du cannabis. Parce qu'ils sont pas énormes, mais ils prennent la priorité pour, avec, par rapport à ceux qui ont de l'opium. Donc c'est cela. Logiquement. Légumes cannabis. Donc en logistique, vous allez arrêter. Vous allez arrêter toute votre logistique. Et vous n'allez aller qu'au checkpoint. Voilà. Toi, il faut que tu gères ça. Ouais, peut-être gérer une ferme et gérer la plantation aussi. Alors l'enquête, non. L'assaut de la police a été contré, très bien. Donc toi, toi tu peux retourner en ville. Avant qu'elle perde toute loyauté. Toi tu vas pouvoir aller dans la résidence, hein, parce que au final celle-ci gagne. Il faut dépenser de l'argent de cet entrepôt, de ce port maritime. Livré au port maritime. Et là en ville il y a 6000
Non. Hop. Le capot, tu peux venir là. Et tu vas livrer un peu dans cette ville-là. Le but, c'est de vider les stocks de cette... 500 000 balles là sur les 2 millions que j'ai. J'ai autant en argent sale ici que ce que j'ai dans mon compte en banque en argent propre quoi. Pour vous dire. Livraison, il y a déjà presque 100 000 là-bas. 5 000. Si toi t'arrêtes les livraisons aussi, ici il y a déjà 30 000. Avec lui qui prend 10 par 10, ça devrait aller. Il va avoir du temps avant de manquer d'argent. Sur son salaire. Le monstre et Tony ici, c'est cool, ça réduit les stocks. Ici aussi, il y a masse de thunes. Toi, tu prends bien de l'argent sale, oui. Imaginez si en plus il prenait de l'argent. Toi, tu prends quoi? Toi, tu prends de l'argent sale, très bien. Ça marche pas bien. Alors l'hôtel ici est blindé. Résidence là est blindée de thunes aussi. Celle-ci, on va peut lui dire d'aller chercher beaucoup plus loin, je pense. Le problème de ce port, c'est que personne n'allait automatiquement chercher des sous. Là, il y a au moins une résidence qui va chercher des sous maintenant. Pareil ici, est-ce que quelqu'un vient chercher les sous? Parce que sinon, ça peut être un peu compliqué. Enfin, on stocke l'argent. Mais... Et ça va pas le faire. Donc là, on est bon. Qui peut aller chercher de l'argent? En fait, il faudrait une résidence ici, hein, tout simplement. Ici, il y a des sols, pourquoi? Et à quel endroit? Il y a du cannabis ici. Des légumes au même endroit. Du café. Non. Lag de sauvegarde, encore une fois. L'opium, je suis pas sûr, mais je crois qu'il n'y a rien. Ouais, non, il n'y a rien dans cette région. On a dit cannabis. On a dit pas de coca, on a dit légumes à peu près au même endroit. On a dit pas de café. Pas de ces trucs-là. Bien, donc en fait... Il faudrait se dire... On a besoin d'une résidence. De niveau 3 parce qu'on va pas s'embêter trop longtemps. Alors voilà, on va la mettre là pour qu'elle couvre la ville. Si elle couvre largement là le sud. Punaise, mais à chaque fois je prends avec de l'argent propre, je fais pas gaffe. Bon, c'est pas comme si maintenant on manquait d'argent propre, mais... Mais justement, on déborde d'argent sale, ça aurait été bien que lui fasse 2-3 allers-retours pour payer la résidence plutôt. Logistique. Lui est plein. Ordem.
Bon, il a arrêté de faire ses allers-retours. Toi, t'es en ville, mais ouais. Bon. Mais non! Je viens pas de te mettre des sous, toi. Toi, faut que tu prennes de l'argent sale, hein. De là où t'es. Faut que tu nous vides ces stocks-là plutôt. Et là, au pire, la résidence va passer par la ville Molino, évidemment. Mais ce n'est pas si grave. Ici, j'ai dit qu'on pouvait avoir du cannabis. Et il faut pas oublier qu'on a ici un truc qui peut nous vendre des... où on peut acheter des biens de consommation. Donc on pourrait acheter, essayer d'acheter régulièrement des télés ou des consoles. Et avoir un ou deux ateliers qui remplissent de cannabis des télés et des consoles. Ça va avoir le même problème qu'ici, hein. Oh là là. On peut faire un autre bâtiment. Oui, on peut faire un autre bâtiment. On a besoin de transformer beaucoup d'argent. Alors, c'est le... Ah. Les légumes se font confisquer ici, c'est dommage. On va devoir arrêter d'en envoyer. Qu'est-ce que je disais? Je disais dans cette ville, on pourrait rajouter un. Alors où c'est? L'undercash. Coût de l'entretien, voilà, c'est le coût de l'entretien. 900, 150, 200. Alors une église, ça peut être bien aussi. Plus pour l'aspect respect et terreur. 400, 300, 725, je crois que j'avais vu un 900, ouais, un 900 pour le casino. 800 pour la bijouterie, et c'est tout. Donc on va prendre le casino avec de l'argent sale. Ça sera très bien. Toi, tu vas pouvoir récupérer de l'argent ici, tu vas pouvoir récupérer de l'argent là-bas. Mince. Si on se fait confisquer tout notre café. Quoi ? Non, il y avait tellement de café là-dedans qu'on a perdu 69 000 unités de cannabis. Je pense. Enfin, je l'ai compris comme ça en tout cas. Pendant ce temps, ici, on n'exporte pas beaucoup d'opium. Hein. On va arrêter d'essayer d'exporter de l'opium. On va y exporter du cannabis tout près, hein, je pense. Donc... logistique, d'où de l'hôtel, de la résidence et du dépôt. Donc ce dépôt, vu que t'es tout seul... Ah mais tu fais les deux aéroports, ouais. Celui-là, tu vas arrêter, voilà, tout simplement. On va concentrer l'opium au sud. Et ici... je veux dire, ici ça va bien, mais non, il n'y a pas assez de camions dans les dépôts. On retrouve le problème de d'habitude. Donc logistique, dépôt, de l'argent sale, niveau 3. Où est-ce qu'on peut le mettre? On peut le mettre là, il fera les deux. Plantation.
on a bien oublié, mais il faut aller à l'église, hein, il faut faire la petite donation. Normalement, ces deux villes-là sont déjà au max niveau bâtiment, oui. Bijouterie, oui, la bijouterie ne sert à rien d'autre que faire de l'argent, donc elle est moins bien que le casino. Ici, on a tout aussi. tac tac. Si tu galères à récupérer l'argent d'un peu loin là-bas. Mon capot, il est où? Il est là, mais ici il y a largement, enfin non pas largement, mais il y a assez de véhicules. Donc tu vas aller dans cette résidence. Pour l'aider un petit peu niveau. Niveau quantité de choses. Toi, tu es construit. Il va falloir que tu exportes là, en fait. En espérant que tu ne récupères pas ce qu'il y a dedans. Si c'est le cas, c'est bon. Et si c'est pas le cas, en fait, non, si c'est pas le cas, tu emmènes là-bas. Ça, très bien. Genre, on peut même te faire une petite route rien que pour toi. Ouh, À travers les champs, tu vas à l'aérodrome, voilà. La DEA, elle enquête. Hop là. Y'a pas besoin d'enquêter. On peut pas avoir trop d'argent. Fais une livraison. Lui, ça va, lui, ça va. Ils sont même vides. Par contre, lui est rempli. Lui est rempli. Et lui aussi. Mais niveau... réserve de feuilles, ça va à peu près. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as des routes pourtant. Potentiellement, t'as pas de route qui fait ça. Effectivement. Ni de route qui fait ça. Là, tu peux prendre les deux tranquillement et les envoyer à l'aérodrome tranquillement. Non, et les envoyer au... ici, maintenant que tu as cette chemin de fuite. Non, il fallait faire tout le tour. Je comprends que c'était long. Toi, tu veux bien la plantation. Toi, tu veux bien aux deux plantations. C'est l'essentiel. Légumes de nouveau permis à checkpoint. Très bien, parce que bah, c'était compliqué, hein. Je vais pas vous le cacher. Idolâtre, très bien, idolâtre. Ouais, on va continuer de servir l'église. Toujours. Toi, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas d'argent. Et tu as des réserves de légumes à 200 000%. Prends toi, tu as de l'argent. Mais t'es qu'une petite résidence, très bien. Là, ça ira mieux. On va arrêter à peu près un tiers
de la prod de légumes. Toi, bah toi, oui, oui, bah pique les oignons là, hein, moi ça me va. Le café est de nouveau permis, on peut réouvrir. Donc là, on... Je ne l'avais pas spécialement noté, je crois, à l'oral, mais on a fini les missions du jeu. Hein. On est tranquille à ce niveau-là, maintenant il n'y a plus qu'à... À s'étendre, tout capturer si on peut, hein. Je suis pas sûr que ce soit possible parce que là j'ai quoi, j'ai 1 2 peut-être un troisième quelque part lieutenant qui sont, je peux enlever les vignettes. Voilà, y a lui, je sais qu'il est pas un endroit utile, elle l'est, lui il est. Ouais, j'ai deux lieutenants qui... J'ai deux lieutenants qui sont un peu... inutiles. Je peux recruter combien de lieutenants encore? Je peux en recruter... mince, c'était pas ça. C'était pas ça. Voilà. Je peux recruter trois lieutenants, donc j'ai trois... J'ai cinq places. J'ai 5 places et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 civils plus là un truc d'extraction par la frontière, un aérodrome. Donc je pense qu'on ne peut pas tout avoir. Tout simplement. Ça c'est quoi? Ah, la réserve est vide. Toi tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de... Tu n'as pas assez de camions en fait, tout simplement. Donc lui, il va pouvoir t'aider. La Terra a commenté à cause de Kriella, machin. Parce qu'elle veut brûler le bâtiment. Et elle a brûlé le dépôt. Toi tu vas être amélioré pour pouvoir prendre en charge cette ferme. Toi tu peux déjà prendre en charge celle-ci. On va t'améliorer pour que tu prennes en charge celle-là. Voilà, comme ça on a la flemme de reconstruire le dépôt. De toute façon, j'avais l'impression que il n'y en avait pas forcément besoin. Le parc d'attraction a cessé de fonctionner. On est au courant. Le jour où ça arrête de l'aiguiller. En fait, la résidence, hein, normalement, elle a plus besoin de sous, du coup, elle est... Elle devrait laisser plus d'argent ici, hein, par défaut. C'est aussi ça le souci, c'est que la résidence ne laisse pas suffisamment de sous dans les... Bah là où il y en a besoin. Ici on a tout relié. Le port maritime fait qu'elle est suffisamment bien. Tac, tu vas pouvoir peut-être aussi alimenter. Oui, bah voilà, c'est bien. Est-ce que... Voilà. Et toi... Voilà. En fait, en augmentant la résidence, ça a augmenté le rayon aussi. Je pense, parce que c'est... Ces trois là n'étaient pas accessibles, et maintenant juste en activant ces deux là, ils sont accessibles, pas le troisième. Oh là là, mais les enquêtes sur le port maritime, il faudra se calmer la DEA s'il vous plaît. Plantation qui a cessé de fonctionner parce qu'il n'y a pas de... d'argent, mais c'est
en cours d'approvisionnement. Là, ça se passe comment? Ça se passe qu'il y a beaucoup trop de cannabis séché encore. Hein. Il y en a 200. Ici, il y en a 40. Il n'y en a pas. Mais les camions sont toujours en train de travailler. Donc en fait, je pense qu'il n'y en a pas parce que... Est-ce que eux réussissent à gérer leur coût? Et eux, peut-être qu'ils n'y arrivent pas parce qu'il y a trop de... J'arrête celui-ci. Marrant, lui, il est relié que à la résidence et pas au dépôt. C'est un peu étrange comme concept. Petite augmente. Toi là-bas, à l'autre bout du monde. Petit 1. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a trop d'argent. Putain. Ah! Donc ici, ça ne gère même pas ça. Là, il y a de l'argent. Ici, il y a de l'argent. Cette résidence déborde d'argent. Il va falloir faire de la prod ici, je pense. Ah mince, mais non. J'avais oublié que ça faisait augmenter la terreur, le fait de... Le fait de se faire choper avec de l'argent dans une ville qu'on contrôle pas. Réduire le niveau de terreur. Bla 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 bla. Un tel sacrifice en vaut la peine, oui. Mais... Demander une faveur, oui. Réduire le niveau de terreur. J'ai 2,5 millions, ah ouais. Un tel sacrifice en vaut la peine, oui. Ici aussi, l'église. Tant qu'on y est, hein. Réduire le niveau de terreur. Oui, le sacrifice en vaut la peine largement. Et non, j'ai cru que c'était la police, mais ça devait être juste le passage là. Résidence là. On va l'améliorer pour qu'elle puisse récupérer l'argent qui vient d'ici. Qui s'accumule ici. Ouais, trois petits chargements, ça correspond beaucoup mieux à ce qu'on est en train de produire. Hein. Le checkpoint, il est très bien pour nous. Sauf que vu qu'on n'a pas la ville, un peu la galère. Ici, on a dit qu'il faudrait... En vrai, je me demande si on devrait pas faire des légumes pour les envoyer, quoi. Juste des trucs légaux.
C'était ça que j'avais vu. On va mettre en pause. Hein. Oh non, mais toi, tu vas toucher ton argent sale là où t'es. Hein. C'est pas comme si t'allais en manquer de l'argent sale en plus. bref, sur ces problèmes de trop d'argent, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a déjà bien. On a déjà bien avancé. Dire que c'était quoi, il y a 2-3 épisodes où on avait plus. On était en manque d'argent. Là on en a trop. Donc ça va. Lui il demande combien déjà Tony? Il demande 970. Donc les 900 là c'était pas suffisant. Il va quand même falloir emmener le capo qui est loin. Mais maintenant que la résidence s'est bien mise en place, ça devrait suffire. Oui. Voilà, même s'il est un peu loin. L'église ça va. Et qu'est-ce qu'ici, ici ça va. Et vous deux, c'était ça que je voulais voir. Vous deux, vous avez plus de légumes. Donc on va quand même réouvrir une des deux plantations. Sinon, il y a toutes les chaînes ici qui vont se bloquer. Et ça va pas être pratique. Voilà, ici. Oui, ça fait que 10 par 10 alors que l'opium était 26 par 26. Donc c'est la misère. J'avais pas trop fait gaffe à ça. Au secours! Et toi, tu as beaucoup trop d'opium. Attendez, hop. Et tu vas aller livrer tes affaires ici. En fait, si je vire l'aérodrome, potentiellement... Plantation, toi tu vas pouvoir aller à l'aérodrome. Toi tu vas te vider de ton stock dans deux ateliers différents. Et il faut quand même que... Ouais, je pense que ça peut être un peu mieux. On verra ça lors du prochain épisode si on s'en souvient. Allez, la confiscation de tous les légumes, au secours. Enfin, au secours et à la fois, ça va nous permettre de libérer de l'espace. Vu que les légumes, on en avait trop. Voilà, juste pendant qu'on y pense, pendant que les églises finissent de se recharger. Et voilà. On arrête là, j'espère que l'épisode vous aura plu, que je ne vous aurai pas fait trop traîner ça en longueur. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode, tout simplement. À bientôt.